Nous sommes membres de la Fédération des éleveurs depuis notre installation, donc c'est 13 ans maintenant. C'est toujours bien de, voilà, d'être pas tout seul dans son coin et de pouvoir voir ce qui se passe aussi chez les autres, de mettre en commun nos activités, nos expériences. On adhère à la Fédération des éleveurs parce que c'est une façon de se regrouper, de faire connaître davantage nos métiers, de s'assurer que les autorités comprennent et nous connaissent mieux. En tant qu'éleveur, vous êtes beaucoup chez vous, vous sortez assez peu, vous n'avez peut-être pas non plus la possibilité de beaucoup communiquer avec les instances dirigeantes, donc il faut quelqu'un qui le fasse à votre place. Concrètement, lors du premier confinement, on a tous eu très peur de ne pas pouvoir saillir nos juments. Grâce aux actions de la Fédération des éleveurs, nous avons pu obtenir, moyennant un protocole précis, le fait de pouvoir continuer de saillir nos juments. C'est la voix des éleveurs dans une organisation assez globale avec le pari, les courses. C'est une filière qui comprend plein de métiers différents. C'est vraiment une fédération qui est au service des éleveurs sur un plan presque macroéconomique. Et au quotidien, c'est une fédération qui est là pour répondre à toutes les questions, tous les besoins que peuvent avoir les éleveurs sur le fonctionnement des haras, tant sur le plan technique, sanitaire ou autre, que voilà, fiscal ou légal. Ce qui m'intéressait, c'était la mutualisation des connaissances, bénéficier de l'expérience d'une fédération centenaire, m'informer sur les problèmes sanitaires, sur les problèmes fiscaux, participer au développement de la filière. Donc il est important pour nous de rester groupés et d'agir ensemble.